Cette année 2023 permet de consolider tout ce qu'on est en train de faire. Bon, par exemple, on prend le travail que l'on fait sur une compétence du TC, qui est la résorption de l'habitat insalubre. C'est un travail de longue haleine, donc on a identifié ces familles qui ne rentrent pas souvent dans des dispositifs existants, le département et l'État. Donc nous, on a adapté un dispositif spécifique, c'est-à-dire on a créé une régie intercommunale. C'est-à-dire que on a des contrats, on achète des matériaux, et on va chez les personnes pour résoudre ces problèmes où souvent les gens ne sont pas propriétaires du foncier. Et là, vous ne rentrez pas dans les cases. Donc nous, on a créé une case spécifique avec l'association Abbé Pierre, avec les compagnons bâtisseurs, et les moyens qu'on a mis en place dans ce dispositif avec l'État, et la CAF aussi qui nous aide, permet de régler ces problèmes où des familles sont en insalubrité depuis des années, des personnes âgées, des personnes handicapées, ou même des enfants aujourd'hui vivent dans des maisons en insalubrité, ce qui les pénalise sur l'apprentissage au niveau de l'école, souvent sur la santé aussi, parce que une maison insalubre, mais aussi sur le lien social, parce que quand vous avez une case qui coule, où on ne peut pas recevoir des gens, et ça, on l'a vu une fois qu'on a rénové ces cases, ça change foncièrement la vie des gens, parce que c'est une autre vie qui commence. Et l'étude qu'on a menée montre qu'au bout de 3 ans, ces maisons restent salubre et les gens bénéficient complètement de ces effets positifs. Donc voilà aussi des chantiers importants sur lesquels on a innové et qui permet aujourd'hui le territoire de résorber ce déficit qui est incroyable.